Alors pour l'apéritif, le chef vous propose une tartelette avec une crème aux œufs de brochet fumé. Vous avez ensuite une tuile de blanc d'œuf avec un condiment à l'ail noir. Une conchigli avec une purée de navets et sarrasin torréfié. Et ici, vous avez l'apéritif éco-responsable du chef qui souhaite s'inscrire dans une démarche de gastronomie durable. Donc, ça passe par la sélection des produits qu'il cuisine et par la manière dont il les travaille, c'est-à-dire de n'en rien gâcher. Donc, pour celui-ci, il a travaillé des fans de carottes nouvelles qu'il a travaillé en panna cotta sur un biscuit sablé au parmesan et à la moutarde. Merci. Pour les beurres qui accompagnent votre repas, le chef vous propose un beurre demi-sel. Vous avez ensuite un beurre à la livèche. Et le dernier est parfumé d'écorce de citron séchée. Ok. Vous avez ensuite une huile de colza. Donc celle-ci est bio et vient de l'huilerie d'Oron à Dun. Et les différents pains de Savigny en Sancerre, la boulangerie au repère du bon pain. D'accord, ok. De foie blanc, de pintade, accompagné d'une émulsion de peau de pomme de terre torréfiée. Je vais en prendre un comme ça. Alors, je vais commencer avec les asperges blanches de Saint-Bresson, que le chef a brûlées au chalumeau puis laquées, accompagnées de cacahuètes et de très jeunes pousses de coriandre. Et pour l'assaisonnement, vous avez un mélange d'huile de coriandre et de bouillon d'asperges vinaigrées. Bonne dégustation. Alors, vous avez l'entrée signature du chef, une version plus contemporaine des œufs mimosa de son enfance avec un blanc d'œuf moelleux, une mayonnaise parfumée au safran du Berry dans l'esprit d'une rouille avec une soupe de poisson froide, elle aussi parfumée au safran. Je suis avec le caviar de soleil de la maison Hénécar à Saint-Biatre qui va être accompagné d'une crémeux de fan de radis frais sur le dessus et je vous ai servi un bouillon de volaille. Belle dégustation. Vous allez suivre avec le homard breton de Casier qui va être fumé aux épines de romarin accompagné d'une salade de shiitake du Loiret aux pinces de homard, pommes de terre grenaille. Et je vous ai servi, on a fait la sauce avec les têtes, on a rajouté un petit peu de pied de cochon. D'accord. Bonne dégustation. Merci. Dommage. Donc c'est l'ail Sancerre. C'est une gourmandise rafraîchissante qu'on vous sert à mi-parcours. Voilà, je vous laisse découvrir pour la suite. Les carottes nouvelles, glacées au vinaigre de mangue et travaillées en différentes textures, avec une tuile de pied de cochon soufflé et un beurre de glaçage au vinaigre de mangue et pied de cochon. Alors, madame, monsieur, vous êtes sur le pigeon de racan, en cuit à basse température, ensuite rôti sur coffre, accompagné de betteraves rouges et kumquats. Et je vous sers un jus à partir des carcasses de pigeons. Et sans terre rouge. Et je vous laisse également la sauce, si vous voulez vous servir. Tant qu'à faire. Oui. Le chef vous propose une gourmandise dont je ne vais rien vous dire. Bah, c'est bien ça. Je vais vous laisser découvrir à l'aveugle. Bonne dégustation. Merci. Alors voici la morille. Dans l'esprit d'un millefeuille, avec deux arlettes parfumées au lichen et au sirop de morille, ganache à la noisette, glace à la morille et morille confite. Bonne dégustation. Ah, vous allez suivre avec les pommes de Saint-Martin d'Auxigny, qui vont être cuites au four, traditionnellement comme la pomme au four, qu'on a récupérée pour faire une compotée, accompagnée d'une beurrée fouettée et d'un sorbet au persil. Bonne continuation. Tartelette au spéculoos accompagnée d'un crémeux à la vanille et un gel au pomelos. D'accord.